Bonjour et bienvenue sur OneUpToPlay. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre toute nouvelle PlayStation Vita. Donc voilà, la PlayStation Vita Lim Green, c'est le modèle 2000, le modèle Slim. Je viens de mettre la main dessus. Vous le trouvez usagé, super bon prix, est en très bonne condition. Très joli, c'est notre première Vita 2000 green, Lime Green, verte lime. Donc vous pouvez voir ici, on peut insérer la cartouche, les boutons du volume, les deux boutons de haut, les haut-parleurs, caméra de devant. Regardez le derrière, comme c'est merveilleux. Très, très, très joli. Une petite graphine ici et une petite graphine ici, malheureusement, qu'on voit un peu, mais pas trop. Donc voilà, super légère, très très belle. Ça va être une Vita de backup. Hein? Je continue à utiliser quotidiennement la Vita Aqua Blue. Donc, on va l'ouvrir, on va je vous montrer vite, vite, vite. Oh, là, peut-être que la batterie est déchargée par exemple. Et non, c'est la PlayStation Vita, même en mode sommeil, la batterie dure très longtemps, contrairement à la Switch. Ouch, cheap shot. Prise écouteur, ici, pour insérer les cartes mémoire, prise écouteur, chargeur. Donc, vous pouvez voir, j'ai rien mis à date, là, j'ai rien changé. Je vais vraiment laisser tel quel. C'est une Vita de backup. Non, tout fonctionne bien. Même mise à jour du système, on peut aller voir le système. Là, c'est un ancien système. Donc, je crois que je pourrais peut-être même la hacker. On est à 3.51. Présentement, il n'y a seulement que la mémoire interne de 1 GB. Donc, vous voyez, 1040, il me dit même 39. Voilà, nouvelle PlayStation Vita qui s'ajoute à notre collection. C'est notre cinquième PlayStation Vita. Très cool. Vraiment très content. Fonctionne super bien. J'ai essayé Killzone Mercenary dessus et aucun problème. Aucun drifting non plus. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partager avec vos amis un commentaire sur ce. À la prochaine!